On a toutes les femmes d'être fortes. C'est une histoire qui peut, je sais pas, c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde. De prendre leur garde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les âmes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise. C'est tout ce que j'ai demandé. Tout est beau, tout est joli. Hein? L'image est claire. Je le teins comme si c'est comme quand Jésus montait au ciel. Un teint bien uniforme. Donc, je salue tous mes abonnés, tous mes combattants de la lutte contre les voleurs de la République, les voleurs de l'Église. Ce soir, je vais finaliser le dossier de Monsieur M. Donc, on m'a appelé, on m'a dit, Will Gospel, tu ne peux pas laisser cette affaire comme ça. Donc, hier, Mademoiselle Eliane s'est levée pour commencer à dénoncer. Dans cette vidéo, j'ai vu que la petite fille était juste en train de crier « Je fais ça pour les âmes, je fais ça pour les âmes !» Je n'ai pas compris. Et je me suis dit, le policier de l'Évangile va venir donner des sanctions aujourd'hui. Parce que je suis le policier de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais sanctionner ces trois messieurs. Et puis, je vais vous dire ce qui va arriver dans leur vie. Vous serez étonnés de voir ce que je vais dire. Parce que, vous savez, la première chose à dire, c'est je vous avais annoncé que ces personnes, vous n'allez plus les voir. D'ici décembre 2016, vous n'allez plus les voir. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Pendant que je dormais, je vis quelqu'un qui avait porté une robe blanche. Et cette personne avait un balai dans sa main. Et cette personne était en train de balayer. Cette personne balayait une très grande église. Et la personne balayait l'église. La personne balayait l'église. La personne balayait l'église. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, bien faites-moi signe. La personne balayait l'église. Et je posais la question à cette personne, mais pourquoi tu balayes? Qui es-tu? Pourquoi tu balayes l'église? La personne me dit, on m'a envoyé, et je suis en train de balayer l'église pour enlever toutes les saletés qui ont rendu l'église de Dieu sale. J'ai dit, mais dans saleté, tu parles de quoi? Il dit, dans saleté, je parle de mauvais pasteurs. Je parle de mauvaises sœurs. Je parle de mauvais frères. Je parle de mauvaises personnes qui essayent de détruire l'église. Car aujourd'hui, accepter Jésus-Christ à cause de certains serviteurs pour faire éclater la gloire de Dieu. Une génération de garçons et de jeunes filles qui viendront déclarer la vérité là où il y a le mensonge. Et pendant qu'il balayait, je lui ai dit, mais et pour le Congo, quelle est la nouvelle génération que tu nous amènes? Il m'a dit, je vous apporte des artistes exceptionnels. Il dit, du ciel, vous avez remarqué que y a la connexion nous fait un défaut. Mais je veux attaquer. Donc je disais, je fais un rêve. Et dans ces rêves, je vis quelqu'un qui a pris un balai. Il était en train de balayer une très grande église. Il balayait l'église. Il balayait l'église. Et je posais la question à cette personne qui était debout. Mais pourquoi tu balayes? Qui es-tu? Et la personne me répond, me dit, je suis celui qui a instauré l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bêtises. Mais je veux balayer l'église. Je dis, mais comment tu vas faire pour balayer? Il dit, j'utiliserai des moyens qu'il faut pour faire sortir les mauvais serviteurs de Dieu. Il dit, j'utiliserai les moyens qu'il faut pour que tous ceux qui font les bêtises en cachette puissent sortir. Et je lui pose une question, je lui dis, mais comment ça va se faire? Il m'a dit, les brebis vont manger les bergers. Parce qu'avant, les bergers ont beaucoup mangé les brebis. Vous avez pris leur dîme, vous avez pris leur offrande, vous avez séparé leur famille, vous avez créé des histoires. Maintenant, c'est à eux de venir contre vous. Maintenant, vous allez voir des fidèles qui vont dénoncer leur pasteur. Vous allez voir des fidèles qui vont dénoncer le comportement qui se passe dans leur église. Vous allez voir des fidèles qui viendront dénoncer le mal qui est caché dans les églises. Je vous dis, l'année 2020 est une année 20 sur 20, c'est une année de confirmation. Dieu ne veut plus voir la saleté dans son église.
Je suis le policier de l'évangile. J'ai eu ce mandat avant bien même que Monsieur M fasse des bêtises. Avant bien même que Monsieur Michel Bakenda soit nu sur Internet. J'ai commencé à lutter contre ces personnes depuis longtemps. J'ai commencé à parler, mais personne ne m'écoutait. Personne ne m'écoutait. Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi signe si vous m'entendez bien. Et cette personne m'a dit, il y a une nouvelle génération de serviteurs de Dieu qui arrive. Une nouvelle génération de jeunes garçons, de jeunes filles qui viendront faire honneur à Dieu. Qui viendront laver la honte que ces hommes de Dieu nous ont fait. Une génération de filles et de garçons. Ils seront très jeunes. Ils ne seront pas vieux. Mais ils seront très jeunes. Mais dans leur jeunesse se cachera la sagesse. Dans leur jeunesse se cachera la puissance. Dans leur jeunesse, se cachera l'onction. Dans leur jeunesse, se cachera la transformation. Cette génération va quitter de l'Afrique jusqu'en Europe. Cette génération va quitter du Congo jusque dans le monde. Dieu dit parce que dans le Congo, les artistes et chrétiens ont été corrompus. C'est dans le même Congo que les jeunes artistes sortiront pour briller pour la gloire de Dieu. Et lorsque j'ai demandé qui est cet artiste, il m'a montré Fiston Mbouy. Il m'a montré... Ancré, il m'a montré Dena Moana, il m'a montré tous ces jeunes artistes qu'on ignore aujourd'hui, que les gens ne regardent pas, Dieu va les amener à un certain niveau. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que toi, tu peux nous dire comme chose au peuple de Dieu? Il dit, c'est que le peuple de Dieu doit faire pour que ces gens restent. Le peuple de Dieu ne doit plus faire des chanteurs chrétiens des idoles. Le peuple de Dieu doit arrêter d'appeler les pasteurs daddy. Ils doivent arrêter de parler les pasteurs daddy. Mon papa, ma maman. Il a dit, il n'y a qu'un seul père qui est Dieu. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui va se passer dans les églises les jours à venir? Il dit, dans les jours à venir, certaines églises seront fermées. Il dit, dans les jours à venir, certaines prédications vont disparaître, comme la prédication de la prospérité. Il dit, dans certaines églises, il y aura des bagarres. Il dit, l'église va vivre un tourment terrible parce que je veux commencer à laver mon église. Et je vous dis ce soir, l'église va être lavée. Ça va commencer par les hommes de Dieu, ça finira par les fidèles. Ça va commencer par les hommes de Dieu. Ça finira par les fidèles. Je suis en train de parler avec l'idée, la tête prophétique ce soir. Cet homme était en train de balayer l'église. Il était en train de laver l'église. Vous savez, il y a combien de lianes qui sont dans nos églises qui ont été touchées par les pasteurs, qui ont été caressées, qui pleurent. Il y a combien de lianes qui sont traumatisées dans nos églises. Il y a combien de filles qui ne peuvent plus avancer dans nos églises. Il n'y a pas plus tard que 2 jours, on m'a envoyé un mail. La fille me dit, ne dis pas mon nom. Mais j'étais avec mon fiancé dans une église. Nous sommes allés pour nous marier. Le pasteur a dit, on doit attendre 5 ans. Pendant les 5 ans que les autres devaient attendre, le pasteur a commencé à coucher avec la fille. Et la fille est tombée enceinte. La fille s'est mariée avec cette grossesse. Et arrivée dans le couple, la fille a dit que la grossesse est pour le garçon. Le garçon a fait un test ADN, ce n'était pas son enfant. Ça a créé des problèmes terribles. C'est ce genre de bandits-là que nous voulons bouter dehors. Mon frère J.F. Ifongo a dit toujours, c'est des voleurs. Et moi, j'ai dit ici au Canada, il n'y a pas l'homme. Le policier de l'évangile est calé. Eliane, si tu m'écoutes, Eliane à Kinshasa, ils vont rien te faire. Ils vont rien te faire. Ils vont pas te toucher. Dénonce. Si tu as des vidéos, montre les vidéos. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Une nouvelle génération de pasteurs qui ne vont pas trembler devant l'argent. Une nouvelle génération de chanteurs gospel qui ne vont pas montrer leur nudité devant les gens. Une génération de personnes qui ne vont pas insulter les bébés noirs. Si vous ne savez pas, Dieu est en train de laver le Congo des mauvais serviteurs de Dieu. Voilà le message. Il est en train de purifier le Congo
des mauvais serviteurs. Ne soyez pas étonnés de ce qui se passe. C'est encore rien. Il y aura encore plus. Il y aura des plus grands serviteurs de Dieu qui sont au Congo qui seront dévoilés. Ce que je vous dis ce soir, c'est des révélations terribles. Et cette personne était en train de balayer l'église. Il balayait. Et il m'a dit, les dénominations sont en train de nous tuer. Les plats que les gens ont mis sont en train de nous tuer. Il est temps que nous nous levons. Que nous puissions être une église unie. Et que nous puissions charger et détruire tous ces voleurs. Ils vous ont pris vos dîmes. Ils vous ont pris vos enfants. Ils vous ont pris vos dignités. Ils vous ont prêché le diable. Vous avez tellement peur du diable que même Dieu, vous n'avez jamais la crainte de Dieu comme ça. Un chrétien a peur du sorcier plus que de Jésus. Parce qu'on vous a prêché le mal, le démon, la malédiction, le démon, la malédiction, les sorciers de ta famille. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre message? Nos filles ne sont qu'en train de courir derrière le mariage. Mariage, mariage. Ma soeur, ne laisse jamais tes études pour te marier. Parce que les sentiments peuvent finir, mais le diplôme reste à vie. Beaucoup de sœurs en Christ ont été encouragées à se marier avant de finir l'école par ces besognes de pasteurs, de voleurs. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans un mariage sans diplôme, sans carrière. Et le mari se moque d'elle et on la piétine parce qu'elle avait écouté un papa spirituel qui lui avait dit « Marie-toi pour accomplir la parole de Dieu ». Le mariage n'est pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Respecter la Bible et marcher selon la volonté de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Ce soir, je viens de dire la vérité. Ces personnes vous ont trop pillé. Ils ont trop pris votre argent. Ils vous ont trop détruit. Le temps est venu pour le voleur de plier genoux. Et je vous dis, certaines personnes, leur carrière va finir avant le mois de décembre. Vous n'allez plus les entendre parler. Vous n'allez plus les voir chanter. Et puis pourquoi vous les laissez prêcher? Pourquoi vous les laissez prêcher? Moi, le policier de l'évangile, j'ai dit, Monsieur M ne doit plus prêcher. S'il continue à prêcher, il est en train d'augmenter la punition de Dieu dans sa vie. Je suis en train de voir un mur noir derrière lui. Un mur noir qui le suit. Il doit arrêter de prêcher. Il doit laisser la Bible. Il doit aller se confesser. Quels sont ces hommes de Dieu de 2020 qui ne peuvent pas dire pardon, qui ne peuvent pas s'excuser devant le monde entier? On a écouté vos chansons. On a écouté vos CD. Il est temps que vous puissiez demander pardon pour ce que vous avez fait. Il est temps. Je vous dis les révélations. Maintenant, je vais donner les sanctions. Je vais donner les sanctions et je vais donner les directives au peuple de Dieu ce soir. Laissez-moi réfléchir et prendre ma tablette pour maintenant vous donner des sanctions. Par les droits du policier de l'évangile que je suis, et du message reçu, je viens donner des sanctions aux trois messieurs M qui ont détruit l'image de la musique gospel dans le monde et au Congo. Monsieur M, 1, dont sa femme l'a dévoilé en public par ses besognes, vous êtes condamné à ne plus sortir du territoire du Congo. Vous êtes condamné à ne plus chanter pour Dieu, parce que tous les albums que vous allez faire ne vont plus réussir. Ça, c'est la sanction numéro 1 pour toi. Deuxième sanction, vous êtes condamné à fermer votre église, si c'est cité de la foi ou quoi. Fermez-moi cette église vite, parce que toutes les filles qui sont dans votre église, vous risquez de les tousser, de les dépuceler. Troisième chose, vous devez prier pour votre corps, monsieur M.I., parce que l'impudicité est trop en vous. Deuxième sanction pour monsieur Michel Bakenda qui a été moutakalisé en public. J'ai tes photos dans mon téléphone, comment tu touches ton zizi, mais mon frère, il faut que tu te répands. Première sanction, tous tes albums seront supprimés, que ce soit au Canada, en Europe ou partout. Nous avons déjà discuté avec l'équipe en France et tout le monde.
Deuxième sanction pour toi. Tu ne vas plus voyager. Tu feras ton voyage de ta maison jusqu'à chez Abed Achour, de ta maison jusqu'à chez Eric Mandala. Tu ne peux plus voyager chez nous. Va chanter pour eux. Tu deviens leur animateur de fêtes et d'anniversaires. Troisième sanction. Tu ne toucheras plus au téléphone, monsieur Bakenda, parce que tu as un sentiment de montrer ta nudité. On ne veut plus que nos filles qui ont écouté ta chanson puissent te voir, nues. Excusez-moi ce soir, je suis cru. Parce que je dois tout dire, c'est ma dernière vidéo sur ces bêtises-là. Donc je donne les sanctions ce soir et puis je tourne mon dos. Ce qui va arriver, arriver. Troisième accusé, monsieur M. 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 Le pasteur séduction. C'est lui qui fait pleurer une fille de 17 ans. Tu as 5 sanctions ce soir. Première sanction, vous êtes interdit de sortir de la RDC parce que tout le monde vous attend dehors, en France, partout. Deuxième sanction, tous vos albums seront déchirés, même ton dernier album Triomphe que tu fais, ça va être déchiré, personne ne va l'écouter. Tu es en train de perdre ton argent. Si tu es intelligent, prends l'argent de cet album-là, investis ça dans le commerce parce que bientôt tu seras commerçant. Même dans ton église, on risque de te chasser. Ce n'est pas parce qu'on t'a placé que tu vas rester. Je sais que ça va te faire mal ce que je dis aujourd'hui. Je ne dis pas ton nom. Je dis, tu sais ce que je dis. On continue, hein? On continue. Je vais dire des vérités aujourd'hui. Troisième sanction pour monsieur MM. Troisième sanction, tu dois te marier. Force, tu dois te marier. Force, donc, cette année ne doit pas passer, tu dois te marier. Force, donc, on va te chercher une femme. Force, on va t'amener à la mairie, tu vas te marier. Parce que l'argent, tu as ça. Voiture, tu as ça. Succès, tu as ça. Église, tu as ça. Et puis à l'église, il n'y a pas seulement les hommes. Il y a des sœurs qui prient dans ton église. Pourquoi tu ne te maries pas? On va te faire marier par force. Cette année, nous allons prendre ta main, nous allons mettre la bague dedans. Si tu ne maries pas une femme de ce monde, tu vas marier une femme de nuit. Ça, c'est forcé cette année. Tu vas te marier forcément. Voilà. Dernière sanction pour monsieur MM. Dernière sanction. Plus jamais. Tu entends? Plus jamais ne méprise tes pieds au Canada. En tout cas, tu vois le rouge qui est autour de moi, là, le rouge là, c'est un signe. C'est pour te dire que nous baignons dans le sang de Jésus. Et nous ne voulons pas quelqu'un qui va venir salir nos filles ici. Nos filles ici au Canada, elles vont à l'école. Nos filles en France maintenant, les filles en France, elles vont à l'école, à l'université, elles étudient maintenant. Elles ne sont plus dans l'histoire des concerts, les histoires des bêtises. Là, vous venez vous chanter Jésus, après vous les prenez à l'hôtel. Tu as entendu? Voilà. Maintenant, quels sont mes conseils aux fans, aux fidèles qui écoutent ces gens-là? Premier conseil, vous qui écoutez ces artistes, toutes les mamans, ne laissez plus jamais vos filles aller à l'église le jour de la semaine. Vous me comprenez? Ne laissez plus jamais vos filles, parce que ces gens-là, ils profitent de vos filles dans deux choses, les répétitions de la chorale et les cultes de la semaine. Ils vont mentir à vos filles de venir au culte de la semaine. Quand le culte finit, c'est là qu'ils vont dépuceler la fille. Ne laissez plus vos filles aller à l'église pendant la semaine. Deuxième chose que je veux vous dire ce soir, croyez en vous et non en ces pasteurs. Croyez en ce que Dieu a mis en vous et non en eux. Quatrième chose, Dieu siège dans vos cœurs et non dans ces bâtiments. Dieu ne siège pas dans un bâtiment, il siège dans ton cœur. Ce n'est pas parce que tu appartiens à une telle église que tu auras au ciel. Non, c'est parce que tu as Christ en toi que tu vas au ciel. Comprenez ça, ça rentre ici, ça reste, ça reste. Quatrième conseil que je vais donner avant que cette vidéo finisse vite. Quatrième conseil, très important. Ne soutenez plus leur œuvre satanique. Œuvre satanique. Quand dit œuvre satanique, je te dis, ne soutenez plus. On va construire un bâtiment. On va construire un bâtiment. On va construire un bâtiment. Toi-même, tu donnes l'argent du bâtiment, tu vas t'asseoir dans un banc.
Mais lui-même, il va s'asseoir sur une grosse chaise devant, en or, comme si c'est lui qui a donné la majeure partie. Alors que c'est toi qui as donné ton argent de souffrance, tu vas venir encore t'asseoir dans la foule. On ne veut plus. Vous comprenez? On ne veut plus. Cinquième conseil. Tous les hommes, ne laissez plus vos femmes aller à l'église seules. Ne les laissez plus aller seules. Parce que ces gens-là, c'est des loups. Ils n'ont pas pitié des femmes. Ils n'ont pas pitié. S'il attrape ta femme, il va lui faire des choses. Ils n'ont pas pitié. C'est des gens qui sont à la recherche de l'argent, du sang et de la destruction. Faites très attention à ce que je vous dis ce soir. Je suis en train de dire des vérités que beaucoup de gens ne savent pas. Vous voyez seulement quelqu'un prêcher, mais vous ne savez pas dans quoi il est. Dernier conseil que je vais dire. Restez à la maison. Oui, restez à la maison. J'ai dit encore, restez. Si vous voyez que vous ne pouvez plus là, restez à la maison. Prenez votre Bible comme ça. Ouvrez ça le dimanche matin. Lisez. Et puis dormez. Vous êtes un chrétien. Ce n'est pas en allant à l'église que tu vas aller au ciel. C'est en ayant Jésus dans ton cœur que tu vas aller au ciel. S'il faut que tu ailles à l'église pour qu'on te caresse, pour qu'on t'enceinte, pour que tu sois traumatisé, ne va plus. Ne va plus. L'église était cet endroit de paix. Où quand quelqu'un avait des problèmes dans le monde, il venait à l'église et il était soutenu. Maintenant, l'église est devenue un endroit de guerre. Les chrétiens même fuient l'église. Si même les chrétiens fuient l'église, comment les païens viendront? Comment ils viendront? Mais vous avez créé des problèmes à la génération future. Mais la génération future du Congo ne va plus croire en Jésus. Mais ils ne vont plus croire au pasteur. Mais ils ne vont plus croire à l'église. Je vais vous raconter l'histoire du Québec. Le Québec, c'est une province du Canada. Et au Québec, beaucoup de Blancs n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Dieu. Quand tu leur parles de Dieu, ils n'aiment pas. Pas à cause d'eux. Parce que l'église catholique, quand ils étaient au Québec, ils ont fait des choses mauvaises. Ils ont maltraité les gens. Ils ont fait. Voilà pourquoi, quand les pasteurs chrétiens arrivent ici, ils prêchent l'évangile aux Blancs. Les Blancs n'acceptent pas. Parce qu'ils ont mal. Ils disent, comment vous allez nous dire que Jésus est bon alors que les prêtres nous ont fait du mal? Moïse, est-ce que je dis ton nom? Monsieur MK, vous êtes en train de détruire une génération chrétienne. Vous êtes en train de détruire une génération. Et moi, le policier de l'évangile, je suis fâché. Je suis énervé. J'ai envie de vous taper. Je suis énervé. Je n'aime pas qu'on fasse ça à mon Dieu. C'est Dieu-là qui s'est donné. Vous êtes en train de pourrir son nom. Je suis prêt à me battre. Je suis prêt pour sauver l'honneur de l'église. Car nous sommes salis. Pas plus qu'hier, un ami païen m'écrit, frère, à quoi ça sert votre histoire de Jésus là? Moi, il voulait venir à l'église avec toi, je ne viens plus. Regardez ce que vos pasteurs font. Ça m'a fait mal. Ça m'a transpercé le cœur. Nous sommes en train de perdre les points. Les points qu'on devait gagner, on les perd aujourd'hui à cause de certaines personnes. Je n'indexe pas. Ne venez pas avec vos discours pour me dire, oh, nul n'est parfait, nul n'est parfait. Oui, nul n'est parfait. Mais quand tu choisis de devenir homme de Dieu et par plus un artiste et par plus tu as du succès, il faut que tu saches où te mettre, avec qui parler et comment te comporter. Je ne peux pas recevoir l'appel d'une femme et je vais être torse nu ou je vais être nu en train de parler avec elle. Parce que je suis une personnalité publique. Je dois contrôler mon téléphone. Je dois contrôler ce que je fais. C'est très important. Maintenant, je suis en train de parler, mais je vous laisse le temps d'appeler. Hein? Mon téléphone est activé. Vous pouvez m'appeler depuis la France, depuis où, partout où vous êtes. Attendez, je vais charger le téléphone et puis vous pouvez appeler. Donc, les appels sont ouverts. Les appels sont ouverts. Appelez-moi au 001. 343-998-8615. 001-343-998-8615. Si vous voulez appeler pour passer ce soir,
pour dire ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement, de cette histoire de sextape? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de mon combat, de ce que je fais? Est-ce que c'est mauvais ce que je fais? Est-ce que je suis en train de juger? Moi, je le fais pour mes sœurs. J'ai deux sœurs. J'aurai des filles. Je le fais pour sauver la génération future. Parce que si les pasteurs d'aujourd'hui agissent comme ça et que personne parle, et les pasteurs de demain, ils vont faire quoi? Ils vont plus violer. Ils vont même commencer à faire l'amour pendant le culte. Ils vous prêchent et puis ils font l'amour. Alors il faut qu'on commence à parler aujourd'hui. Aujourd'hui, les brebis vont manger les bergers. Les brebis vont manger les bergers. Je vous ai donné le numéro de téléphone. 001-343-998-8615. Appelez depuis la France, depuis le Canada. Le téléphone est là. Je vais recevoir vos appels. Vous avez 10 minutes pour vos appels. Nous allons parler, nous allons discuter en tant que famille. Parce que moi, ça c'est ma dernière vidéo sur ces sujets. Je ne veux plus mettre ma nouvelle caméra là, qui m'a vu un joli visage comme ça, mettre ça encore dans les bêtises. Non, je veux commencer de nouvelles vidéos. Alors ça c'est ma dernière vidéo pour parler de ces bêtises. Donc j'ai besoin de vos appels. Appelez, dites-moi ce que vous pensez. Parce que cette histoire commence à mal agir, ça commence à détruire, détériorer l'image de l'église. Et les gens qui sont assis chez eux, ces chrétiens-là qui disent « Ah non, on n'est pas parfait, quand tu finis de me juger, il faut te regarder toi-même. » Je vous dis quelque chose, si Jésus n'avait pas tapé les gens dans le temple, on n'allait pas comprendre qu'il est aussi colérique. Jésus, même Jésus, il avait la colère, parce qu'on joue avec la maison de Dieu. Là, il a tapé les gens parce qu'il y avait l'échange de monnaie. Mais nous, on va taper les gens parce qu'il y a viol. On va taper les gens parce que certains qu'on a mis devant, on les a acclamés, ils ont baisé nos soeurs en cachette. Je vais dire les mots. Parce que moi, ma bouche ne parle pas qu'à les soeurs. Ils ont niqué nos soeurs en cachette. Vous qui dites, oh non, laissez ça. La fille là, elle dit seulement n'importe quoi. Si Eliane était ta soeur, si Eliane était ta soeur, si Péniel était ta soeur, si tous ces gens-là, Michel Bakken était ton frère, tu allais être content de ce qui se passe aujourd'hui? Tu allais être content? Vous savez combien leurs femmes souffrent? Vous savez combien leurs familles souffrent à l'heure-là? Il faut qu'on parle. Il faut qu'on s'exprime pour que ces choses finissent. Il y a des décennies, les hommes de Dieu font des bêtises. Et personne parle. Depuis 2015, je m'exprimais. J'ai fait des vidéos. Ma tête était remplie. Je disais des vérités. Personne ne m'a écouté. On m'a chassé des églises. On m'invite plus dans les concerts. Personne ne m'appelle parce que je disais ces vérités. Aujourd'hui, ces vérités-là sont sorties. C'est sorti. Aujourd'hui, ces vérités sont sorties. Maintenant, c'est vous là, maintenant, qui dites l'église, c'est plus la peine. Moi, j'ai pu aller à l'église. Pourtant, je faisais des vidéos. Les gens m'attaquaient, me disaient, toi, tu parles mal de l'église. Tu insultes l'église. Pourtant, j'ai révélé au monde ce qui arrivait. Et moi, j'ai dit, d'ici le mois de décembre, vous n'allez plus entendre parler de ces artistes-là. Leur carrière va finir. Ça va finir comme ça. Il y a une nouvelle génération qui va arriver. Oh, cette génération sera formidable. Ils viendront du Congo, de l'Asie, de l'Europe, de l'Australie, des États-Unis. Cette génération viendra de partout. Ils viendront pour faire éclater la gloire de Dieu. Ça va être une dernière génération qui va amener plusieurs âmes au Seigneur. Une dernière génération qui va bouleverser le monde. Ils vont même faire trembler le gouvernement parce que Dieu va puissamment agir en eux. Vous savez, nous avons un mandat. Celui de dénoncer et de dire la vérité. Les gens de Montréal, j'arrive pour vous. Les hommes de Dieu de Montréal, j'arrive pour vous. Ne vous inquiétez pas, j'ai tous vos dossiers. Vous voyez l'iPad là, il est rempli de dossiers. J'ai des dossiers. Donc j'avais dit, si tu es pasteur, ou tu es master, ou tu es grand sœur, ou tu es fresteur, tu fais des bêtises avec les sœurs de ton église, commence déjà à te dénoncer. Commence déjà, donc, dès maintenant, commence déjà à dire aux gens, excusez-moi, j'ai touché vos enfants. Commence déjà. Parce que dans quelques mois, vous allez sortir. Un à un va sortir. Un à un. One by one.
Est-ce que vous avez appelé? Ok, laissez-moi voir s'il y a eu des appels. Non, il n'y a pas eu des appels. One by one, un à un va sortir. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes le sujet de la honte. Nous, les Congolais, nous sommes le pays le mieux sextépé du monde. 4 sextapes en une semaine. Quelle facilité sexuelle de s'exposer. Waouh, vous êtes fort. Même les acteurs porno, là, ils ne peuvent pas faire ce que vous faites. Congolais est gâté. Depuis qu'on vous a donné Internet, vous avez tout bousillé. Mais moi, je vous dis, le policier de l'évangile est là. Ma bouche, là, ça va parler bien jusqu'au jour où vous, là, vous allez arrêter vos bêtises, là. Les hommes de Dieu, là. Quand tu te fais appeler pasteur, le P, ça veut dire priorité. Le A, ça veut dire attention. Le S, ça veut dire sérieux. Le T, ça veut dire travail. Le R, ça veut dire relation. Le E, ça veut dire éternel. Le U, ça veut dire unité. Et le R veut dire renoncement. Si tu n'as pas entendu, va réécouter la vidéo. Donc, tous ceux qui s'appellent hommes de Dieu, là, ce soir-là, sachez discipliner vos sexes. Parce que dans le corps d'un pasteur, tout peut se convertir, mais son zizi ne se convertit pas. Donc, si toi, tu penses que le pasteur, là, c'est un robot, et tu viens l'appeler Daddy, Daddy, comment ça va? Daddy, continue à appeler Daddy. Daddy va sauter sur toi, va devenir chéri, chéri, Daddy, chéri, chéri. Après, tu viendras pleurer à la télé. Il m'a touché, il m'a touché. Parce que tu pensais qu'il était robot. Moi, je suis pas robot. Moi, là, je suis pas hypocrite. Si je suis chez moi, si une soeur vient rentrer ici, je lui fais l'amour. Parce que je suis pas robot. Donc, ne mettez pas les gens dans les occasions de chute. Certaines sœurs aussi, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Vous aimez trop mettre les pasteurs dans les occasions de chute. Vous aimez trop mettre les hommes de Dieu dans les occasions de chute. Tu sais que tu es en forme. Tu as un corps évangélique, des parties prophétiques. Quand tu marches, même les anges sont séduits. Et tu as un séminaire, mais tu portes un truc court et tu t'assois devant, là où le pasteur prêche. Il voit tes jambes. Mais c'est normal que le gars va chercher à te délivrer corporellement. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Les filles ne contrôlent pas leur habillement. Donc l'homme de Dieu est voué aux filles. C'est comme un coq dans une poulailler. Un coq dans une poulailler, il y a des poules partout. Il est troublé, il ne sait pas quoi faire. À la maison, sa femme le stresse. À l'église, il y a des problèmes. Mais quand il tombe sur des petites filles, il va s'enjailler. Alors, pour éviter l'enjaillement, moi, je viens vous dire ce soir, homme de Dieu, prends ta vie au sérieux. Prends Jésus au sérieux. Tu comprends? Cette histoire des pasteurs-là, tu n'as pas été fait pasteur pour être star. Tu n'as pas été fait pasteur pour que les gens t'acclament. Tu as été fait pasteur pour que le nom de Dieu soit béni. Allez, les amis, appelez, appelez. Le numéro de téléphone est le 001-343-998-8615. 001-343-998-8615. Voilà, le numéro est là. Vous êtes disponible et libre à appeler pour que vous puissiez vous exprimer, dire tout ce que vous pensez de ce qui se passe. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où l'Église doit s'élever, les chrétiens doivent s'élever et la vérité doit être dite. La vérité, c'est quoi? Le diable est là. Le diable est. Le diable est. Pleure actuellement. On a trop menti sur ces petits-là. Oui, ces petits-là. Parce que Jésus, à moi, il me rend fort. Le petit diable est là. On a trop menti sur lui. On a trop mis des trucs sur lui. Trop. Il en a marre. Je suis sûr qu'à la fin du monde, quand Dieu va dire, le diable, comme tu es jugé, il faut parler. Le diable va insulter certains des frères, certains des sœurs. Il va vous insulter parce que la manière dont vous avez mis vos bêtises sur lui. Et le diable. Et le diable a pris mon truc. Et le diable. Pourtant, c'est toi-même. C'est toi-même. Là, je veux finir ce direct. Je veux fermer la vidéo et tu vas aller encore sur la page de ces pasteurs voleurs pour l'écouter. C'est comme ça que vous êtes. Pourtant, ma chaîne YouTube est là, tu ne peux pas te connecter et regarder une vidéo pendant 1 heure. Mais si c'est ces prédications des bambous là, là tu vas aller écouter. Là, on vous dit des vérités, vous ne voulez pas écouter. Voilà pourquoi Pierre, Jean-Baptiste pouvait dire race de vipères. C'est sérieux.
ce qui se passe aujourd'hui dans nos vies, mais c'est sérieux, les amis. C'est sérieux. Et moi, je ne me tairai pas. Pour les âmes de Dieu, je ne me tairai pas parce que Dieu m'a dit, mon fils, je t'ai donné une page qui a 39 000 followers. Tu ne peux pas fermer ta bouche quand tu vois l'injustice. Je veux dire la vérité. Mon gilet pare-balles est là. Ça veut dire que je suis protégé. Alors, les gens ont eu leur sanction. J'ai sanctionné Mike. J'ai sanctionné Moïse B. J'ai sanctionné Michel Bakenda, le deuxième acteur porno, après Ritier Watanabe, c'est lui. Donc, bientôt, on va vous chercher des contrats dans les films porno. Vous allez jouer les films porno. Je pense que votre place n'est pas à l'église. Hein, monsieur Michel, ta place n'est pas à l'église. Ta place doit être dans les films porno. Tu comprends? Nous allons te chercher des contrats et puis tu vas jouer ces films-là. Parce que je pense que aujourd'hui à l'église, nous avons beaucoup de comédiens. S'il y a pas que... si nous avons beaucoup de comédiens, vos comédies-là, c'est fini. J'ai dit, avant que cette année finisse, nous allons balayer l'église de faux pasteurs. Nous avons attendu que Dieu fasse. Oh, Dieu va faire. Oh, Dieu va faire. Maintenant, Dieu a dit, allez, faites. Les sœurs, bravo. Les sœurs, bravo. Vraiment, vraiment, celui qui avait créé nos téléphones, il est intelligent. Les sœurs, dénoncez les pasteurs. Là. Vous voyez, faites les captures d'écran. Captivez-le. Quand il vous drague là, prenez les vies. Prenez ça, dénoncez-le en désordre. Dénoncez. Si vous êtes là, tu sais que ton pasteur là t'a fait du mal. Il faut le dénoncer. Amène son nom ici. Moi, je vais le dénoncer. Vraiment, les sœurs, merci. Merci, Péniel. Merci à Eliane, merci. Les filles d'aujourd'hui, hein, vraiment, vous avez l'habitude de snapper vos plats, de snapper l'hamburger, de snapper la banane. Voilà pourquoi on se demandait, quand une fille sort avec un homme, elle ne filme pas l'homme, elle filme seulement elle-même avec la nourriture. Maintenant, vous avez bien fait. Vous filmez vraiment les gens-là. Il faut les filmer jusqu'à la fin. Tu prends même sa nudité, même tout, tout. Il faut prendre tout. Tu envoies ça sur Internet. Comme ça là, ils vont savoir que les cerfs sont fâchés. Les cerfs de maintenant, elles ont une maladie qu'on appelle nudité sur Internet. Si tu es assis avec ta femme, vous êtes au lit, tu vois seulement, elle veut toucher le téléphone. Mon frère, il faut fuir. Faut te cacher sous les draps. À partir d'aujourd'hui, dès que tu vois seulement tu es en position de faiblesse, ta femme veut toucher le téléphone, faut fuir. Parce qu'il y a un virus qui touche les femmes actuellement. C'est le virus qu'on appelle partage-partage. C'est un esprit de sex-tape qui est dans toutes les femmes actuellement. Dès qu'elle touche un téléphone, il faut commencer à fuir parce qu'elle risque de partager. Donc moi-même, j'ai peur. Quand je marche dans la rue, je vois une fille qui touche le téléphone, je commence à fuir. Je ne sais pas, peut-être, on ne sait jamais. Et puis je viens demander pardon à toutes mes ex. Hein. Pardon, ne faites pas ceci, nos vidéos. Hein? Nos vidéos. Hein? Mais, surtout moi, si vous faites sortir ma vidéo, moi, je suis foutu. Hein? Ne faites pas ça. Hein? Je vous demande pardon, ok? Donc, ce soir, qui m'a écouté et qui a compris ce que j'ai dit, et manifestez-vous les amis, je ne parle pas avec les morts, je parle avec les vivants, je dis, l'église ne tolère plus les pasteurs bandits, l'église ne tolère plus les pasteurs bandits, c'est fini. Kofi Olomide m'a dit, si Mike Kalamba il rentre au ciel, moi je vais entrer. Quelle sonne, quelle honte, quelle honte. Quelle honte. On ne sait même plus faire la différence entre enfants de Dieu et les gens du monde. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de différence. Tellement vous avez mélangé la musique de Dieu. Vous l'avez mélangé avec n'importe quoi. C'est devenu salami, salade. Kofi même dit, si Mike Kalamba rentre au ciel, moi si je vais entrer. Kofi a dit, ils se prennent comme nous, non? Ils sont des femmes, ils ont tout. Il a dit la vérité. Maintenant, si le vieux père Kwada Koraman même s'exprime même, vous n'avez plus de respect. Vous êtes semblables. Faut pas venir dimanche, tu vas prendre ta veste et ta cravate comme Corbeau le Renard, prendre le micro avec ton gros français. Les Congos qui chassent, on ne veut pas besoin de Congo. En fait, tu laisses le micro, va t'asseoir. Voilà. Et vous qui êtes dans son église, vous ne lui dites pas la vérité. Moi, je vous dis, faites-le asseoir. Parce qu'il ne mérite pas de faire sortir cet album. Il ne mérite pas de prêcher. Il doit s'asseoir qu'on éclaircit les choses. Passe. Pourquoi faire ça aux gens?
Pourquoi détruire l'image de la musique congolaise? Pourquoi? Pourquoi? Donc, parce qu'on vous a accueilli ici en France, en Europe, au Canada, on a mal fait. Parce que vous êtes venu prendre nos 10 000 dollars, nos 15 000 dollars qu'on a travaillé. Aïe, aïe, vous avez fait de concert VIP. Aïe, aïe, on a payé, on a payé. Et pendant que nous, on vous payait, vous étiez en train de nous payer avec les filles de chez nous. Ils n'ont pas seulement fait là-bas, hein. Même ici, là, ils ont dépucelé les filles à Montréal. Là. À Montréal. Encore les sœurs de Montréal. Quand un artiste vient du dehors, tu vas entendre. Il est là, on va aller à son concert. On va aller à son concert. On va aller chanter. On va aller. Elles sont nombreuses là-bas, on les a. Et vous pouvez faire ça avec moi. On les a. On les a tous. Maintenant là, c'est fini. Vous n'allez plus. C'est fini. Le policier de l'évangile a acheté maintenant. Nous avons acheté maintenant tous les rumeurs. Personne ne peut jouer avec nous. Eh, vous pouvez jouer les petites filles là. Mais nous là, vous n'avez pas joué nous. Nous là, vous n'avez pas joué nous. Je viens le dire maintenant. Ils sont sanctionnés. Ils sont ré-sanctionnés. Encore sanctionnés. Et si vous les connaissez, amenez-leur cette vidéo. Dites-leur que le policier de l'évangile a dit avant le mois de décembre, ces trois artistes-là, leur carrière va finir. Comme celui de Lord Lombo. Vous l'entendez encore? Il n'est plus là. Hein? Ça fait mal, mais c'est la vie. Il n'est plus là. Hein? Oh, vous vous acharnez sur vos frères chrétiens, vos stars. On n'a pas de stars. La seule star, c'est Jésus. Une fois, il y a un pasteur qui me dit, « Oh, mon fils, je dis, calme-toi, je ne suis pas ton fils. Je suis le fils de Jean-Marie et de la maman Nicole. Quand on m'avait mis au monde, quand je souffrais, j'étais malade, tu n'étais pas là. Donc, il ne faut pas venir t'initier comme ça pour dire que je suis ton fils. Tu as quel certificat? Avec quelle maman tu m'as fait? Il faut être sérieux. Tu es mon pasteur, je suis ton... Non, je ne suis pas ton fidèle. Tu es mon pasteur, je prie dans ton église. Ça s'arrête là, je ne suis pas ton fidèle. Faut que vous arrêtez votre histoire de daddy. C'est à cause de l'affaire de daddy là que ce monsieur là a dépucelé la fille là. C'est à cause de votre histoire de papa spirituel que papa spirituel a fait les choses à sa fille spirituelle. Continue encore papa spirituel. Continue dans papa spirituel. Tu vas finir dans le lit. Tu vas finir dans son bureau. Après tu vas venir cette fois-ci une fille qui va encore venir dire qu'on l'a violée là. Moi-même je vais les attraper. Toi le passé, je vais vous mettre dans un hôtel. Violez-vous encore et puis je vais filmer. Parce que depuis des années, William parle, Jeff Fifonge parle, William parle, Roger Baka parle, tout le monde parle. Vous n'entendez pas, vous les filles, vous n'entendez pas. Je ne sais pas, votre cerveau, on a pissé dedans, le diable a pissé dedans, je ne comprends pas. Comment on peut être aussi bête à un niveau, à ce niveau-là? Aujourd'hui, à l'église, rien ne marche. Quelles offrandes, quelles dîmes? Quel est le séminaire? Vous multipliez tellement des activités, mais les vies des gens ne changent tellement pas. Vous multipliez tellement des séminaires, mais les vies des gens ne changent tellement pas. Tu vas voir une église du lundi au dimanche, les gens sont là-bas. Mais les vies des gens ne changent pas. Ça ne change jamais. J'ai regardé un frère païen qui a dit, pourquoi toutes les filles qui tombent à l'église portent toujours des collants? C'est comme si vous vous préparez à tomber. Et toutes ces filles qui tombent là, leur vie ne change pas à tort. À tort, ça ne change pas. Aujourd'hui, les couples du monde sont plus fidèles que le couple de l'église. Les amis mondains sont plus véridiques que les amis chrétiens. Fais un business avec un chrétien. Il va te doubler comme Judas avait doublé Jésus. Mais fais un business avec un païen. Il sera réglo envers toi. Mais est-ce que vous voyez là où l'église s'en va? Vous voyez comment la malhonnêteté s'est installée dans l'église? Et vous ne voulez pas qu'on parle. Vous ne voulez pas qu'on s'exprime. Dieu dit, dans les derniers temps s'élèveront des loups. Ils viendront pour séduire le peuple de Dieu. Mais il y a peu qui ne seront pas séduits. Et le peu là, c'est moi. C'est nous. Nous qui disons la vérité. Voilà, maintenant si tu n'es pas content là, hein, tu quittes ma page, tu quittes YouTube. Tu m'effaces de tes contacts, de ton cerveau, tu ne penses plus à moi. Mais si tu veux aller au ciel, là, continue à écouter mes vidéos. Partage ma page. Je sais que moi, à Montréal, je suis déjà haï. On ne m'aime pas.
Parce que je commençais à dire la vérité à longtemps. Je commençais à dire la vérité à longtemps. Avant même que certaines vidéos arrivent. On ne m'aimait pas. Parce qu'une fois, cet artiste qui a fait Sextape, il faisait un direct. J'ai commenté, j'ai dit voleur, usurpateur, violeur. Les gens m'ont attaqué. Ils m'ont renvoyé de l'église. Maintenant, vous voyez que j'avais raison. Je vous dis quelque chose. Les filles, dernier conseil pour finir cette vidéo. Dernier conseil, premier conseil. C'est à tous les parents, surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Vos filles surtout, surveillez-les. Elles sont des proies pour le mauvais homme de Dieu, pour le faux pasteur. Les filles là sont des proies, surveillez-les. Les hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont réussi dans tout. La prière, le jeûne, l'évangélisation. Mais dans le sexe, ils ont échoué. Dans le sexe, ils ont échoué. Là-bas, ils ne sont pas convertis. Attends, ce n'est pas de robot. Faut pas dire non. Moi, le pasteur, c'est un homme sérieux. Tu sais, je peux le laisser avec ma fille. Oh, non, 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 non. Faut pas faire ces bêtises-là. Surveillez vos enfants, les parents. Deuxième chose. Je vais donner conseil aux personnalités publiques. Ceux qui sont connus. Pasteurs, évangélistes, prophètes, archibishops. Chanteur, chef de chorale, arrêtez de mettre votre nudité sur Internet. Ne mettez jamais de photos de nudité dans vos téléphones. Faites très attention à qui touche votre téléphone. C'est très important ce que je vous dis. Comme j'avais dit, ce téléphone peut te construire, mais ce téléphone peut te détruire. Ça peut détruire ta carrière en quelques minutes, ce téléphone-là. Ce téléphone-là a tué, a détruit beaucoup de vies. Vous voyez ça comme ça. Donc, faites attention. Vous dormez avec un couteau. Le couteau, tu peux couper le poulet avec et tu peux te tuer avec. Donc, le téléphone, c'est comme un couteau. Faites très attention à ça. À celui qui l'utilise à côté de vous. À qui tu donnes ton téléphone? C'est la question que je vous pose ce soir. À qui tu donnes ton téléphone? À qui tu donnes ton téléphone? Troisième conseil sur jeunes filles de ce siècle. Je sais que vous avez la maladie du filmer, la maladie d'envoyer les images. Ah, tu m'aimes? Oui. Regarde comment je suis habillée. Est-ce que je suis belle? Ah, tu veux que je t'envoie ma photo en tenue d'Adam? Ah, il n'y a pas de problème. Je t'aime beaucoup. Tu ne vas pas envoyer ça à quelqu'un, je suis sûr. Hein? Et puis tu envoies. Sache que ce gars-là, il peut se fâcher, il va envoyer ça à quelqu'un d'autre. Parce que Eliane avait envoyé la photo à son amoureux. Et c'est son amoureux qui a publié la photo. Donc, l'amour n'exclut pas les bêtises. Quand je vous dis ici, là, faites attention. Tu ne peux pas connaître quelqu'un. Ne vous basez pas sur l'amour. L'amour, c'est quoi? Il y a des gens qui se basent sur l'amour. On s'aime, on s'aime. Tu t'aimes, mais est-ce que tu sais que lui, il peut te gorger dans l'amour? Tu ne sais pas. On est venu seul, on partira seul. Cela veut dire que pendant qu'on est né, pendant qu'on va mourir, au milieu, là, il faut faire attention à qui tu es. Même ta femme que tu épouses, tu dois faire attention. Même ton mari, tu dois faire attention. Tu ne sais pas qui est qui. Chacun vient d'une autre route. Il faut toujours vérifier le passé de vos copains, car tu ne sais pas qu'un papillon était chenille. Lorsque le papillon était chenille, qu'est-ce qu'il faisait en bas, avant qu'il s'envole? Certains artistes aujourd'hui que vous avez élevés, qu'est-ce qu'ils faisaient avant qu'ils soient élevés? Vous ne savez pas. Peut-être qu'ils étaient prostitués. Peut-être que c'était des gens qui faisaient n'importe quoi et ils ne se sont pas bien convertis. Parce que quand la conversion n'est pas à 100%, ça pousse les gens à commettre le péché. Vous comprenez? La conversion doit être à 100%. Quand un chrétien n'est pas converti à 100%, il devient plus pire que ce qu'il était. Voilà pourquoi vous voyez les résultats aujourd'hui. On a des pasteurs dimovores, des pasteurs qui aiment l'argent, des pasteurs qui aiment s'afficher, des pasteurs qui aiment qu'on leur donne de gloire, des pasteurs qui... On veut plus ça, on veut plus ça, on veut plus ça, c'est fini. Vous voyez, on veut, je vais prendre parfait, je vais mettre un peu de parfait. On veut plus ça, on veut plus ça, on veut plus ça, c'est fini. On veut des pasteurs humbles, des hommes de Dieu qui veulent que les gens aillent au ciel, c'est tout. Dieu nous a dit de construire les églises, non. Il nous a dit de croire en lui pour avoir la vie éternelle. La preuve, Dieu ne descendra pas dans un bâtiment pour nous prendre. Il va prendre un cœur. Alors toi, chrétien, toi qui m'écoutes, jeune fille, s'il te plaît, garde ton corps pur. Ne montre plus ton corps à n'importe qui. Même si tu promets des millions, ne montre plus. Ok? Voilà le dernier message que j'avais aujourd'hui.
Je voulais juste dire ça avant que je puisse passer à une autre vidéo parce que ce soir je vais faire ma deuxième vidéo et j'ose croire que vous allez vous accrocher à cette vidéo et que ça va vraiment vous ouvrir les yeux, vous amener à un certain niveau. Donc comme j'avais dit, j'ai pas toutes mes vidéos sur Facebook, mes vidéos sont sur YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube, Will Gospel Zelu Ministry TV. Vous allez voir toutes les vidéos qu'il faut. Et cette année, nous allons lancer beaucoup de projets que nous avons pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. Insultez-moi, frappez-moi, lancez-moi des cris. Mais tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour voir les âmes sauvées. Moi, tant qu'une personne m'écrit Will Gospel, Dieu m'a délivré. Je fumais. J'ai arrêté de fumer. Moi, je suis content. Je suis content. Mais vos pasteurs, là, ils veulent qu'on leur donne des dîmes. Là, ils sont contents. Voilà. On va dire des vérités ce soir. Combien de gens meurent dans les hôpitaux? Combien? Et vous êtes là chaque dimanche. Jésus revient. Alléluia. Changez vos vies. Tu prêches la même chose aux mêmes personnes. Mais ça peut faire mal aux oreilles. Et Jésus revient. Et Jésus revient. Et Jésus... On sait déjà que Jésus revient. Répentez-vous, on sait des gens qui doivent se repentir. Apportez un message nouveau. Dis aux gens qui ne sont pas mariés d'arrêter de faire l'amour. Mais parce que tu sais que tu couches avec les filles de l'église, tu ne peux pas prêcher l'adultère. Parce que tu sais que toi, tu bouffes l'argent des gens à l'église, tu ne peux pas prêcher sur la sincérité. C'est ça qui vous tue. C'est ça qui vous tue, les amis. Ce soir, avec un cœur meurtri, je viens déposer cette vidéo pour dire que tout serviteur de Dieu qui n'est pas vrai, tu peux être au fin fond du village, mais sache que nous allons te retrouver. Nous allons te faire sortir de tes besognes. J'ai reçu près de 500 messages de femmes qui ont été abusées par des hommes de Dieu. Ces messages sont dans mon iPad. Elle continue à m'écrire. Et quand je lis ces histoires, mes larmes coulent. Je vois ces femmes comme si c'était ma mère, comme si c'était mes sœurs. Et je n'aimerais pas qu'une de vos sœurs tombe entre les mains d'un faux pasteur ou d'un faux prophète. C'est la plus pire de mauvaises choses qui peut se passer. Alors ce soir, quand je fais ces vidéos, prenez vos pouces, partagez. Parce que ça sauve des vies. Ça ouvre les yeux à certaines jeunes filles qui courent derrière Daddy Daddy. Pensant que Daddy c'est un Daddy, c'est pas un Daddy. C'est quelqu'un qui cherche à te détruire. Je crois que je n'ai pas insulté quelqu'un. Je me suis exprimé. Pour finir la conclusion, c'est quoi? Pendant que j'étais en train de dormir hier, j'ai fait un rêve. Je vis une personne avec une robe blanche. Cette personne était en train de balayer une grande église. Il balayait. Je lui ai posé la question, pourquoi il balaye? Il m'a dit, il est en train d'enlever toute la saleté qu'il y a à l'église. Toute la saleté. Et je lui ai dit, mais si tu enlèves toute la saleté, comment ça va se passer? Il dit, il va remplacer cette saleté par de nouvelles personnes. Il y a une nouvelle génération qui va arriver. Les amis, même ici sur Facebook, vous n'allez plus entendre des bêtises. Vous allez commencer à voir les vrais serviteurs de Dieu. C'est là que Dieu a vraiment appelé. C'est qu'ils vont vous amener les messages de vérité. Je ne parle pas des chrétiens à deux balles qui ouvrent leur téléphone, qui viennent ici. Hey, Jésus va te bénir. Il ouvre la Bible. Non. Un vrai chrétien là n'a pas besoin d'ouvrir la Bible devant les gens comme ça. Ça, c'est de l'hypocrisie que tu veux faire devant les gens. Un vrai chrétien, la Bible est en lui. Matthieu 7, 7, Jean 3, 16, Philippiens 4, 8. Il a tout dans la tête. Ça, c'est un vrai chrétien. Si tu vois quelqu'un chrétien, il t'envoie des versets à chaque truc. Tu as dit ça, verset. Tu as dit ça, verset. Sache qu'il ne pratique pas. Il a lu la Bible comme si c'était une récitation. C'est les gens qui lisent la Bible comme une récitation, là, qui gardent ça en tête et puis qui ne pratiquent pas. Mais les gens comme nous, là, tu ne vois pas la Bible ici. Mais dans la tête, là, c'est des versets qui sautent. Donc ce soir, je vous bénis et je bénis Moïse Mbille. Sois béni, tu es mon frère, tu es mon papa, tu es mon frère de cœur qui châtie bien, aime bien. C'est parce que je t'aime que je fais cette vidéo. Je ne peux pas te voir comme ça, mais je le fais, je sais que ça va arriver. Je bénis Michel Bakenda, malgré ta nudité que tu nous as montrée, ben, toi aussi,
ta nudité n'est pas jolie, ben, c'est pas grave, c'était pas le problème. Je voulais jurer. Hein? Donc, apprends à porter les habits et va t'agenouiller. Dis à Jésus, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Va chanter ça à Jésus, Michel. Bon, nous, on avait chanté quand tu avais chanté. Maintenant, toi-même, va chanter ça devant Jésus. Hein? Qu'il te pardonne. Et après, on va voir si tu peux recommencer la musique. Ok, Michel Bakenda. Maintenant, Monsieur Mike. Monsieur Mike, moi, ce que j'ai à dire, il faut que tu t'excuses à la nation. Demander pardon, ça ne tue pas quelqu'un. Excusez-vous. Si je peux avoir une vidéo où il y a Moïse, il y a Mike et il y a Michel Bakenda, ces trois-là, ils font une vidéo et puis ils s'excusent devant le peuple. Je vous dis, si vous faites ces gestes-là, moi, le policier de l'évangile, je vais arrêter. Je vais arrêter. Nous allons appeler tous nos gars. Nous allons dire, les gars, arrêtez là, c'est bon. Ne les bloquez plus. Donc, excusez-vous. Parce que l'église est blessée. L'église est en train de saigner. Il y a des gens qui vous prenaient pour des modèles. Pour des icônes. À l'heure là, vous avez blessé leur cœur. Et nous aussi, on a peur des sœurs maintenant à cause de vous. À cause de vous, moi j'ai peur de sœur. J'ai peur maintenant de discuter avec une sœur sur WhatsApp. Parce que tu vas dire quelque chose et va publier. J'ai peur aujourd'hui. Donc je me dis, je ne peux pas dire certaines choses, je ne peux pas faire certaines choses. Parce que quoi? Ceci est arrivé, c'est là. Et les filles d'aujourd'hui maintenant n'ont plus de maîtrise. Elles publient tout, n'importe comment. Donc ça aussi, ça pousse à nous, serviteurs de Dieu, de pouvoir nous contrôler. Voilà pourquoi je disais, celui qui n'a pas le contrôle de ses pulsions sexuelles a échoué dans la vie. Si tu ne peux pas contrôler tes pulsions sexuelles en tant que serviteur de Dieu, même en tant que leader, tu as échoué dans la vie. Tout pays où le président est adultère, ces pays n'avancent pas. Voilà pourquoi tout homme d'État doit avoir une femme et des enfants. Regarde une femme et des enfants. Tout pays où le président et adultère, il a des désordres avec les femmes. Le pays va mal. La preuve, la France avec François Hollande. Il y a eu beaucoup de troubles. Pourquoi? Il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant. Divorce avec Ségolène. Écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Cette vidéo, vous allez trouver ça sur ma chaîne YouTube. Elle va rester pendant des années. Elle va servir à vos enfants. Mais je vous dis, retenez ceci. Avant la fin de cette année, il y aura une nouvelle génération des serviteurs de Dieu qui vont sortir. Il y aura une nouvelle génération de jeunes. Je ne parle pas des vieux. Dieu a décidé maintenant d'utiliser des jeunes. Des personnes que vous avez ignorées dans vos familles. Des gens que vous n'avez pas regardés. C'est eux que Dieu va prendre pour élever. Des gens que vous avez piétinés. Vous ne les avez pas regardés. C'est eux que Dieu va élever. Faites très attention. Parce que ce qui arrive là est terrible. Il y a des églises où les gens vont se battre. Il y a des églises qui vont fermer. Il y a des églises où il n'y aura plus rien. Moi, je vous dis ce qui va se passer. 2020, là, avant que ça finisse, beaucoup de gens vont sortir. Beaucoup de secrets vont sortir. Mais tout ce que moi j'ai à vous dire, malgré que nous parlons de ces gens, malgré que nous parlons des bêtises à l'église, n'abandonnez pas votre foi. Restez chrétien jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce qu'il y a un scandale que Jésus a changé. Même Dieu dans les ciels, il est en train de prier, il est en train de pleurer. David même m'a dit, mon petit, moi-même j'avais 1000 concubines, mais c'était pas à l'église. Tu comprends? Salomon m'a appelé, il m'a dit, mais mon vieux père, mais moi je ne comprends pas tes gars là-bas. Moi j'avais 500 concubines, mais jamais c'était comme ça. Je faisais ça en ordre. Vous comprenez? Donc faites très attention. Nous sommes dans un siècle où tout ce qui est caché doit être dévoilé. Si tu as des choses cachées, s'il te plaît, fais-les sortir. Parce que coûte que coûte, ça va sortir. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme de Dieu. Comment ça s'est passé? Cet homme de Dieu prêchait la parole de Dieu. Il était connu partout dans le monde. Et un jour, cet homme de Dieu a eu un problème. Quel est le problème ce gars a eu? Il a eu un problème. Qu'est-ce que ce gars a eu comme problème? Il était en train de coucher avec une femme. Et il avait son ordinateur à côté et il y a l'option automatique film en direct qui s'est activée.
Donc la vidéo a été vue en direct par tous ses followers. Et quand il s'est levé, il a vu, c'était trop tard. Tout était déjà filmé. Alors qu'il disait, moi, je suis un homme de Dieu, je suis loin. Pourtant, voilà ce qui est arrivé. Donc, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas exempté. Ce n'est pas parce que Eliane en a vu sa nudité que toi ne verras pas. Ce n'est pas parce que le pasteur Moïse est tombé que toi, tu es saint. Moi-même, je ne suis pas saint. Lui, pour lui, est sorti. Mais nous, pour nous, n'est pas sorti. On ne sait pas ce que nous, on fait en cachette. Je ne sais pas ce que toi, tu fais en cachette. Toi, tu as vu pour Moïse Mbi. Oui. Ah, Moïse Mbi. Ah, mais comment il peut faire ça, hein, pasteur? Mais pour toi, qui a vu? Donc, voilà. Ça, c'est pour lui qui est sorti, parce qu'il est connu. Mais pour les gens qui sont en bas, les gens qu'on ne connaît pas, qui sont cachés. Donc, pour vous dire que chacun a son péché. Mais le plus important, c'est que nous gardons notre relation avec Christ. Qu'il soit le pilier de nos vies. Maintenant, je viens vous dire que Dieu vous garde, qu'il vous conduit. Écoutez, bonne soirée. Je vous aime beaucoup. Je n'ai vraiment pas envie de vous laisser. Mais je suis obligé de vous laisser parce que les temps obligent et puis il y a des activités. Donc, vous comprenez. Soyez bénis. C'était le policier de l'évangile pour vous encourager à faire attention aux loups qui sont entrés dans la bergerie. Allez, la prochaine vidéo arrive.